C'est quand même faible comparé au nombre de soutiens qu'on a et de personnes qui nous encouragent. On a plus des encouragements que des moqueries. Est-ce que tu as souffert? Est-ce que j'ai souffert? Oui, parce que c'est un traitement qui est dur. On perd les cheveux, on perd du poids, on a des vomissements, on a mal à la tête. Mais bon, c'est un passage dans une vie, donc il faut passer par là malheureusement pour être en bonne santé, quoi. Mais vous comptez faire combien de kilomètres en tout? Là, sur la boucle, il y en a 2500. Cette année, l'année dernière, j'ai fait Cannes-Paris. Est-ce que vous êtes parti l'année dernière? Ou cette année? Non, alors, l'année dernière, je suis parti de Cannes à Paris, sur 1500 km. Et cette année, j'en fais 2500. Donc l'année prochaine, il va falloir que je mette la barre un peu plus haute. Et est-ce que vous faisiez déjà du vélo avant? Alors non, avant ça. J'ai toujours fait du sport, j'ai fait du handball à haut niveau. Et suite à la grève, j'ai plus droit à tous les sports de contact. D'accord. Et en fait, dans ma chambre stérile, là où j'étais soigné, il n'y avait qu'un seul vélo d'appartement. Donc je me suis mis là-dessus, ça m'a vraiment plu et j'ai dit pourquoi pas le faire pour en vrai, véhiculer le message. Véhiculer le message. Laissez-nous comme ça. D'accord. Voilà.